bébé. Joyeux anniversaire, Peter. Ça fait 20 ans qu'on est amis. Non, mais t'imagines. Pourquoi tu me parles encore? Est-ce que tu te rappelles le soir où on s'est rencontrés? Ouais, et je continue à trouver ça bizarre. C'est trop bizarre. Debbie, faut que tu fasses une pause. Il faut que je sois pragmatique. C'est ce que doit être une mère célibataire. Exact. Tragique. J'ai une idée. Je débarque à LA pendant une semaine pour m'occuper de Jack pendant que tu viendras ici toute seule. Je sais pas trop. Laisse-moi t'aider. Je te dois bien ça. S'occuper de Jack, ça demande beaucoup de boulot. Je crois que je vais assurer. J'espère que ce voyage t'apportera ce que tu veux. Trouve un beau gosse. Je suggérerais bien une épilation. Quoi? Oh, les sourcils en bas. Oh non, je t'assure que ce sera pas la peine. C'est splendide. Salut, moi c'est Debbie. Alors c'est vous? Là, Debbie, Peter parle de vous tout le temps. Je suis extrêmement embarrassée, je ne porte rien là-dessous. Oh, vous inquiétez pas, on a toutes fait ce truc où on frappe à la porte à moitié nue pour... Ma mère arrête pas de dire que t'es nulle avec les femmes. Elle dit ça, hein? Alors il se passe quoi après? On peut rester sur notre sujet. Tu réponds toujours à une question par une question. Tu réponds toujours à une question par une question par une question. Et ta vie amoureuse alors? Essaie d'imaginer une ville fantôme. Il est très mimi. Attends, mais où tu vas? Je sais absolument pas quoi dire à ce type. Vous pourriez peut-être me donner votre numéro? Non, c'est pas vrai. Tenez. Je te kiffe trop! N'importe quoi. Toi et moi, on se raconte tout, pas vrai? C'est la base. Je crois que j'ai peut-être rencontré quelqu'un. Est-ce que je peux te dire un truc? Je t'en prie. La nuit que Debbie et moi, on a passé ensemble. Après ça, je me suis retrouvé à beaucoup penser à elle. Il faut que tu lui dises. C'est trop tard. Mais ça va pas? Exprime-toi avec des mots. Ah. Attends, c'est quoi tout ça? Peter ne m'a jamais considéré de cette façon. On devrait d'abord savoir où on va, nous deux. C'est qu'un léger contretemps, d'accord? Tout ce que t'as à faire, c'est tenter ta chance. Moi, je ne tente jamais ma chance. Alors, qu'est-ce que tu vas faire?